Déterminé par le conseil municipal. Cette population s'applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. Détenu ou délit anti-public, parce que le port du masque est obligatoire et c'est dans l'état d'urgence, c'est le premier point. Dans l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré sur toutes les ranges du territoire national par le Conseil des ministres, le président Jovenel Moïse et le Conseil des ministres. Ensuite, gagner à faire de distanciation physique. Là, nous avons même jamais là. Nous nous souvent, mais nous supposons, même en cas de l'Assemblée, nous supposons gagner au moins 1,50 m, surtout avec le monde qui va vivre dans le même cas à terme. Troisième bagaille, c'est que comme vous l'évitez, tout le monde prend ses gros bagailles à main, comme vous l'évitez par les deux mains, à collage, etc. Et puis, si on n'a pas besoin de la réunion, on va prendre la réunion. Parce que sous la réunion, il faut que vous respectez toutes les règles que nous sommes dit là, il faut que vous respectez. Et puis, pour éviter l'automédication. Parce que mon phénomène, leur maladie affectée avec l'antibiotique, le sa résistance aux antibiotiques, tout haïtien, le bureau anti-symptômes, la santé de la coronavirus, se commence à faire des domiciles, de commencer à prendre et à mousser, de prendre des éviter l'automédication. Et en cas de tout signe qu'on n'a pas gagné de l'ordre coronavirus, ou qu'il y ait la fièvre, ou qu'il y ait fait mal, ou qu'il y ait du goût, ou qu'il y ait du odeur, ou qu'il y ait fait mal, ou qu'il y ait la fièvre, ou qu'il y ait toussé. Et puis, ça joue aussi, nous pas baptisé depuis quelques temps, gagner tous ces symptômes gastriques qui sont associés à tous les signes et symptômes que nous sommes dit là-dedans. Maintenant, bon phénomène, oui. Son bagage en comprenant, c'est ça le lié à pi aussi. Parce que si bon monde vient droit à parler de moi, très bien, et puis il ne s'est pas senti rien du tout, donc vous sentez fatigué, il sentit qu'il a fait mal, mais c'est le niveau aussi gêné à baisser. Alors, si vous sentez ça, même si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez remonter dans le positif. Au corona, les consentis sinistraux, c'est pour y occuper, parce que c'est le niveau d'oxygène qui a baissé. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de déplacer le contour, vous avez le 116. 116, c'est le numéro 100 ambulance nationale que nous connaissons sous mon cas. Vous avez le 116 pour le 116 à l'avis du pont, pour le 116 maintenant à l'hôpital. Maintenant, sous le besoin d'information sur Corona, 121, toujours disponible, les patients fermés ailleurs, mais toujours disponible pour répondre à la question tout le monde a aimé qu'on est sous coronavirus, ça sous toute complication. Vous pensez que ma petite laisse minutes sur parler. Ma disponibilité sont à présent, donc il y a des semaines sur parler, mais vous pensez que vous devez insister sur la gravité des situations pour les dernières 72 heures. Ce n'est pas les dernières 72 heures que nous jouons au Montréal. Le Montréal a depuis fin avril, n'a signalé le bon remonté de cas, le bon remonté de cas, mais n'a rien à compter de jour en jour. Donc, moi, c'est tout ça que vous devez nous dire. Aujourd'hui, donc le ministre Saint-Miquès a introduit au chien intervenant. Merci beaucoup. Merci, collègue de l'avoir. Merci pour l'intervention faite sous mon support. Vous avez en fait gagné vous proposer des examens officiels. Le ministre de l'Éducation nationale a nous rappelé. C'est une, entre guillemets, victime et maladie dominante et l'état d'urgence sanitaire.
même si on était sur l'intérieur d'un milieu des Américains, c'était pareil. Et au moment du secteur qui est victime immédiatement par arrêter ça, c'est le secteur religieux, c'est le secteur culturel et c'est le secteur éducatif. De tous les trois, l'assemblée du même profil, ce sont des assemblées. Donc, il y en a pas trois, c'est le Sahara, c'est le ministre en poste, il y a le sujet président de la tête, ou la latino qui s'allie et compte effet de ce secteur-là, qui, dans la vie, sous le cas d'urgence sanitaire. Merci. Que bien ministre de la Santé dit, nous avons l'état d'urgence sanitaire. Donc, ça, l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sans même, l'état d'urgence, c'est une mesure que le gouvernement prend parce qu'il y a un péril à l'heure. Donc, l'état d'urgence, c'est ça. Dans l'état d'urgence économique, vous parlez de l'urgence sanitaire, vous parlez de l'urgence générale, vous dites que l'urgence sanitaire est de l'urgence sanitaire. Et l'urgence sanitaire, ça, l'idée que le ministre se décrit pour nous avec une pile générosité, et que gagner évolution de la maladie entre mars 2020 et nos jours. Et comme les matins, la partie de la parole, on a eu des moments pic, des moments hauts, et on a eu des moments bas. Et bien sûr, il y a beaucoup de moments où il y a des moments bas, mais nous avons remarqué que fin avril, en ce lieu, le mars, gagnait sa carrière, on remontait, on retourne en force de la maladie. Nous avons dit que nous, les deuxièmes par la ministre, qui était à pouvoir expliquer nous mieux ça. Mais nous-mêmes, le gouvernement, là, nous avons une sorte de situation spéciale, côté, obligé de remonter pour nous-mêmes, des fois, il y a des fois, qui fait Haïti, qui est une telle opposition dans la communauté très maladiale, obligé de remonter encore, aujourd'hui. Alors, ceci dit, il y a une situation passée le week-end, et samedi après-midi, ça a passé. Le gouvernement de faire le conseil des ministres, que le conseil des ministres à l'extraordinaire, et le conseil des ministres a pris la décision de déclarer l'état d'urgence. Dans l'heure qui est la 1h07, m'a informé que nous allons recevoir des prestations de la fête pour les moins. Officiellement, il existe l'arrêté de l'urgence, du fait ceci et l'application. Vous devez voir que l'application, je dis en lundi, avec une durée de 8 jours. Et donc désormais, le pays vit sous état d'urgence sanitaire que l'on a vu pour nous de manière. Et pas moi de l'État, on a voulu dire liberté égale à l'identité. Avec des déclarations de l'urgence sanitaire sur toutes les entités du territoire national, d'une période de 8 jours, Jovenel Moïse président. Vu la Constitution, notamment ses articles 1936, vu le décret du 20 mai 2020, qui sont les règles générales de protection de la population de la pandémie d'épidémie, vu le décret 15 mars 2021, réalisant la loi 15 avril 2010, portant l'amendement du 16 septembre 2008, sur l'état d'urgence, considérant que les cas de contamination du décès du coronavirus sont mis en considération augmentée, considérant que l'État a l'impérieuse obligation de prendre toutes les mesures permettant d'assurer la protection de la vie et de la santé de la population, considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de déclarer l'état d'urgence sanitaire sur toutes les données du territoire national pour une période de 8 jours, sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, et après délibération du Conseil des ministres, à l'article 1er, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur toutes les données du territoire national pour une période de 8 jours à partir de l'application présente dans le journal officiel Le Moniteur. Article 2, les règles générales de protection de la population, de la pandémie et de l'épidémie, prévues par le décret du 20 mai 2020,
ça à partir de l'application du présent arrêté jusqu'à son abrogation conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du dit décret. Article 3. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fréquentés par la population, incluant le transport commun. Article 4. L'installation des points de lavage des mains est obligatoire dans tous les bâtiments publics et privés. Article 5. La prise de température est obligatoire dans toutes les institutions publiques, notamment les institutions financières, les lieux de culte, les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de santé, les bureaux et dans tout point dans la région et les départements de passage. Article 6. Une distanciation d'au moins 1,50 m doit être observée dans toute personne ou entre toute personne ne vivant pas sous le même droit. Article 7. Le personnel travaillant dans les institutions publiques et privées est réduit à 50% de sa capacité normale et le travail à domicile est encouragé. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Article 9. Le président de la République s'appuie et s'appuie à la vigilance du premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui nous concerne, donné au Palais national à la province le 22 juillet 2021 en 218e de l'indépendance, Jovenel Moïse, président, signé de tous les ministres et des premiers ministres. Merci. Donc, moi-même, seul agent à faire, mon secteur, c'est que. Pour le salut. Population haïtienne en général et moi saluer tout le monde la presse qui l'a matin. La nuit soir qui prend la parole de la qui demandait une minute de recueillement pour tout le monde qui mourit dans le pays et dans le cadre à coronavirus. Mais moi-même comme ça va socialement si tout le temps. Et qui se mise superbe, on a, maman de nous, observé ce rapport, il y a eu un silence, une bonne autorisation, ça, particulièrement, qui mourit à la façon de M. Chester Pierre, directeur général, on a. Merci. Nous sommes obligés de prendre des dispositions.
la programme de probablement directeur capable de mourir avec coronavirus. Vous comprenez de l'aimer ça? Nous pas connaître, mais c'est dans l'époque la nuit et que les dégâts dans cet tombe coronavirus, même si nous ne pas dire affirmer l'existence actuelle, mais quand même nous prendre des dispositions pour ça. Par rapport à arrêter l'état d'urgence que le gouvernement prend comme ministre de l'éducation de ville, dans samedi à l'extraordinaire, dans le conseil des ministres samedi. Nous devons dire que pas de 15 mois pour nous rendre compte avec maladie qui a tellement ou bien mourir avec maladie sale. Maladie qui a frappé n'importe qui monde, à n'importe qui leur parler, ni pour nous rendre, ni que on a prié pour nous dire que c'est la maladie sacrée. Depuis qu'on a mouru, c'est ça qui était immalade. Donc peut-être vraiment en vivant et mourir. Donc malheureusement, et l'homme bagaille pour dire qui maladie mourir, c'est secondaire. En tant que ministre, système d'organe. Et que le directeur général, là, M. Chessadia, c'est le plus gros responsable qui gagne en Dalona, c'est le plus responsable qu'on a. Nous sommes obligés de prendre le soucis. Gagner le siège central de l'ONA qui trouvait Bétionville, à Annexe ONA qui trouvait Mandelma, nous fermons pour 3 jours. Ça va dépendre de qui ça qui vient devant pour nous prendre est-ce que nous avons augmenté ou bien ouvrir et donner et l'envoyer. Pour ça, nous demandons à tout employé qui n'a pas de conseil, ça veut dire modèle, les mauvais ongles là, qui ont été la caille pendant 3 jours, ça, qui commençait jeudi 24 mai 2021. Donc, les dispositions que nous prenons tout pour nous désinfecter systématiquement de nos casseurs, qui commençaient depuis matin. Ensemble avec les directeurs qui en dans ONA, nous avons travaillé pour réduire personnel pendant toute durée de période d'état d'urgence, comme ministre de la Santé aussi, nous parlons de l'Ukraine. Pour que nous réduisions ce personnel-là à 50%, pour que les distanciations sociales nous respectent et plus encore toutes les barrières. Nous demandons que tout personnel qui n'a pas l'ONA respecte les barrières. C'est-à-dire, n'a pas été en place prise de température, ni pour qu'on puisse rentrer dans l'ONA. Ni pour le monde qui travaille en dehors de l'ONU. Ça veut dire que nous prenons service ou bien le monde qui travaille en dehors de l'ONU. Pour que gagne un point pour la valeur et puis, comme arrêté à la sociale, dit que le port de masque est obligatoire. Et depuis tout le temps, il est obligatoire, il y a aussi une question de résoudre le point. Des sanctions pour qui accompagner le sous-sale. Donc, la pandémie de santé publique là, qui sont ses responsables, toute question de la santé en Namibia, pour qu'il y accompagne nous pour nous capables de faire des cas de dépistage dans les bureaux, dans l'institution et les locaux là. Donc, le sous-sale est obligé de poser son dévue sur le conservatoire. Et que nous répétons qu'on ne va pas affirmer que le directeur Chester qui a mouru avec le coronavirus, mais quand même, puisque nous avons des symptômes à part A et le coronavirus, nous avons besoin de ça pour protéger la population et pour protéger tout employé qui a travaillé dans le coronavirus pour pouvoir former des feuilles. À profiter. En tant que ministre Condition Femme à Droit Femme, pour nous demander, mesdames, qui se produit dans la famille, nous-mêmes qui avons bousqué la vie dans la factory, dans le marché,
nan jardin, sous nos camions, nan bureau, mesdames dans l'hôpital, parce que m'oublie que dans l'hôpital, dans pile forme qu'on travaille, dans l'hôpital, dans les infirmières, auxiliaires, médecins, personnel soutien, tout le monde en général. Pour qui ça qu'on va parler de l'éducation nationale, qui charge avec les femmes là, dans ce niveau, au niveau primaire, comme professeur, et comme TV, qui est en majorité dans le pays. Pour prendre précaution à virus là, respecter tout conseil ministère de la Santé publique à la population, mettez là pour dire que vous nous respectez. Nous devons prévenir la taille là, les passés. Allez ça, continuez à prendre tout plaisir. Il y a une façon pour nous libérer la guerre. En nous tous ensemble, mettez les mains pour nous déraciner le coronavirus là, dans le pays d'Haïti. Merci à vous. Merci.